Good morning, allez, dans l'étude sur aujourd'hui, le Lunish Match, Moël Ben Shlomo Zalman, Machlouf, Micha Ben Masuda, Rivka Bat Levi, Yitzhak, Avram Renor, Ben Fortuny, Mazal Dovin Yodit, et Nissan Ben Mafret. Si vous souhaitez aussi des deux, une prochaine étude de Micha, contactez le sacrement éternel. Nous étudions ma Sechel Midot, Perik He, Mishna Gimel. Shesh le Shachot Hayu Ba Azara, Shalosh Batsafon, Ve Shalosh Badarom, She Batsafon, mais en fait il faut dire She Badarom, Lishkat Amelach, Lishkat Haparva, Lishkat Hamedichim. Lishkat HaMelach, Sham Hayu Notnim Melach La Korban. Lishkat HaParva, Sham Hayu Molchin Orot La Kodashim, Orot Kodashim. Ve'al Gaga Haya Bet HaTvila Le Kohen Gadol Be'yom HaKippurim. Lishkat HaMedichim, Sham Hayu Medichin Kirve HaKodashim, U'Misham Mesiba Ola Le Gag Bet HaParva. Et on continue à découvrir la Hazara. Maintenant, on a eu les plans de chaque chose, où se trouve, comment on partage, les mesures de chaque chose. 187 amas, 135 amas, 100 amas pour le Echal, 70 amas ici. Le Misbar, on a eu tous les détails. Maintenant, il nous reste à découvrir encore quelques petites pièces, quelques petits détails qu'ils ont. C'est trois les Shachot et c'est trois les Shachot. Une Nishka, c'est une cabine, c'est une petite pièce, d'accord? On faisait quelque chose. Et en fait, on a déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs les Shachot. J'ai eu un doute, est-ce qu'on ne les avait pas déjà rencontrés, mais j'ai vérifié dans la Mishnah, on ne les a pas rencontrés. Pour le moment, jusqu'à maintenant, on avait parlé des les Shachot qui se trouvaient notamment dans le Beth Amoked. Là-bas, il y avait des les Shachot. On avait parlé des les Shachot où on rangeait des cabines où on rangeait les instruments, des Lévim. On avait parlé aussi des les Shachot de la Ezrat Nashim. On n'a pas encore parlé des les Shachot qui se trouvaient ici dans le coin. Vous les avez dans le... Pardon. Vous les avez dans le schéma. Cherchez-le tout seul, quoi. Vous savez, cherchez, vous perequez, et Mishnah Gimel, vous allez tomber dessus. Si ça vous intéresse, je vous dis la page exacte quand même. On les a ici. Ouais, ils ont fait un beau dessin même. La page 8 en bas à droite, c'est ce dessin-là. Ouais, c'est une vue un peu comme ça de haut. Je le rapproche. Vous voyez dans le coin, on a une sorte de petite maison avec trois portes. Et bien c'est avec trois portes et aussi quelque chose au-dessus. On va tout découvrir exactement c'est quoi ce qu'il y avait au-dessus. Et la Mishnah commence à me dire « Shesh le Shachot Hayu Ba Azara ». Dans la Azara elle-même, dans l'enceinte de la Azara, il y avait six les Shachot, six cabines. « Shalosh Batsafon ve Shalosh Badarom », trois au nord et trois au sud. Là-dedans, chez nous il y a marqué maintenant « Shesh Batsafon », celle qui était au nord. En fait, regardez le dessin, il n'est pas comme ça. On va parler de ces trois qui sont ici. Donc au sud, parce que ça c'est le sud-est. D'accord? Pas nord-est. Et la Mishnah, en fait, la même Mishnah, elle est rapportée dans ma Masechet Yoma, à l'envers, en disant justement chez Badarom. Et il prouve, comme ça, les Mefarshim, il rallonge beaucoup pour expliquer que c'est comme ça qu'il faut dire chez Badarom. Chez Badarom, il y avait trois cabines. Lishkat HaMelach, la Lishka du sel. Lishkat HaParva. La Lishka du Parva, alors là c'est un peu discuté, c'est quoi le Parva? Est-ce que c'était un sorcier? Ou est-ce que c'était, ça veut simplement dire Lishka ta Parva, la Lishka des une Parva en hébreu moderne, en tout cas c'est comme ça que ça se dit. Comme ça il rapporte un des Pirushim de je ne sais plus qui, du Tosot Yom Tov, qui dit que Lishka ta Parva c'est la Lishka des fourrures. Et Lishka ta Medichim, la Lishka dans laquelle on lavait les choses. Bien sûr la Mishnah elle va m'expliquer chacune de ces Lishachot. D'abord, je m'intéresse juste sur le mot parva, le sorcier. C'est un peu spécial ce qui se passe autour de ce sorcier. Là, il y en a qui disent que c'est un sorcier qui l'a construit en faisant de la sorcellerie. Le Tosot Yom Tov, il dit ça va pas la tête. On va pas faire le Beth Amikdash en utilisant un sorcier. Du coup, non, il y en a qui expliquent plutôt que c'était un sorcier qui voulait absolument savoir qu'est-ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Il avait creusé une ouverture jusqu'à que le mur il est tombé sur lui. Du coup, on a construit là-bas une lishka et c'est devenu la lishka taparva en souvenir de lui. Le Tosot Yom Tov, comme je vous ai dit, il propose de dire que le mot parva veut dire le mot une peau d'animal avec de la fourrure dessus, donc la peau des vaches par exemple, où il y a des poils de vache, un peu, bon. Voilà. Et maintenant on a donc les trois Lishkat, une après l'autre. En bas la Lishkat HaMelach, après la Lishkat HaParva, et ensuite la Lishkat HaMedichim, la maison, la Lishkat, la cabine des laveurs. Et on va découvrir chacune de ces trois choses-là. Lishkat HaMelach, tout d'abord la première cabine du sel. Sham Hayu Notnin Melach la Korban. Là-bas, il déposait le sel pour le Korban. Non pas qu'on salait les membres là-bas, regardez d'ailleurs,
un peu loin du Mizbeach, on avait appris dans Masechet Menachot qu'il y avait trois endroits où il y avait du sel. Il y en avait ici, il y en avait avant de monter dans le Kevesh, sur le Kevesh, sur la rampe, et en arrivant en haut, il y avait encore du sel. Selon trois utilisations, à quel moment il fallait saler, mais là, c'était là où on stockait le sel. D'accord? Le sel qui pouvait servir soit pour les corbanotes, pour tout corban, il fallait mettre du sel dessus. Et même mieux que ça, pour le kometz, la levona, il fallait mettre du sel. Et puis même en plus de ça, pour pouvoir saler les peaux des vaches ou des animaux, comme la Mishnah va continuer à me le dire tout de suite. Lishkat ha-parva, dans la lishkat de parva ou des peaux, comme on a dit. Shamayu molchin orot, que Hachem là-bas ont salé les peaux des animaux kadosh. C'est un des cadeaux que la Torah elle a fait au Kohanim, c'était que lorsqu'on apportait des corbanes, eh bien eux, ils mangeaient, ou ils faisaient brûler, consommer toute la chair, et puis ils pouvaient récupérer la peau, et se la partageaient, ça faisait du cuir, ça coûte de l'argent. Ve'al gaga, aya bet atvila. Maintenant, sur le toit de cette lishkat parva, il y avait aya bet atvila, le kohen gadol beyom kippourim. Il y avait, comme on a vu dans le dessin, vous avez vu qu'il y avait une petite maison au-dessus, eh bien c'était en fait qu'il y avait là-bas un mikvé, une bête à villa, un lieu où on se trempe, pour le Kohen Gadol, à Yom Kippour, juste à Yom Kippour. Pourquoi qu'à Yom Kippour, tous les jours, il fallait pas se tremper au Mikvé? Réponse, effectivement, tous les jours, il fallait se tremper, mais pas là-bas. Tout le celui qui entre dans l'Azara pour faire une avoda, tous les Kohanim, il devait nécessairement partir se tremper au Mikvé, qui se trouvait au-dessus du Shahar à Maïm, dans un autre endroit, parce qu'il devait être dans un Mikvé qui était un lieu chol, un lieu profane, enfin profane, qui n'avait pas la gloucha de l'Azara, se tremper là-bas et seulement après rentrer dans l'Azara. Pour le Kohen Gadol à Yom Kippour, certes, la première dvila qu'il faisait, il la faisait là, lui aussi, à Bet Avtinas, là-bas, pour ceux qui lisaient les Mishnayot, il y avait là-bas les Mishnayot à Yom Kippour, il y avait là-bas un mikvé où il se trempait la première fois. Après, il se trempait ici, Bakodesh, parce qu'il devait, à chaque fois, s'il faisait les avodot spécifiques de à Yom Kippour, il devait porter des habits blancs, s'il faisait les avodot qui était en rapport avec tous les jours de l'année, ou même des jours de fête, ouais, tout ce qui concerne le Korban, Anessa Barchutz, eh bien, il devait porter les Shmoneh Bgadim, les habits en or, qu'on va découvrir dans la prochaine parashiot. Et voilà, donc, à chaque fois qu'il changeait d'habit, il devait se tremper au Mikvé, et avant de remettre les nouveaux habits, il le faisait ici, Bakodesh. Et on continue encore, c'est marqué Mephorach dans la Torah, « Verachat et Besaro Bemaim Bemakom Kadosh » dans un lieu Kadosh. Et Ve'al Gaga, donc on a dit, il y a Bet Advila, le Kohen Gadol, Biyom Kippourim. Lishkat Medichim, maintenant la troisième Lishka, qui est la Lishka, la cabine des Medichim, de ceux qui lavent, Shesham Ayu Medichim Kirve à Kodashim. Là-bas, il lavait littéralement les entrailles des Kodashim. Ça nous pose un problème technique, et tout ce Yom Tov rallonge beaucoup sur la question, parce que quand on avait appris l'histoire à côté du Misbeach, il y avait les Tabaot, il y avait les Shulchanot, il y avait les nanasim. Dans les nanasim, là-bas, on dépeçait la bête, et puis après on l'a décortiquée, on l'a sectionnée en morceaux. Là-bas, il y avait les tables qui servaient justement à laver déjà les korbanot. À laver, c'est explicite, à laver les kravaim, les entrailles. Alors là, tu me dis quoi? Il fallait laver les entrailles ici, pourquoi faire? La réponse du Tosfot Yom Tov qui rapporte au nom du Mefaresh de Maseret Tamid, est d'expliquer que, effectivement, on lavait tout sur les shulchanot, tous les kravaim. Mais le keres, l'estomac de l'animal qui est un gros, d'accord, la panse, avec les quatre estomacs qu'on avait appris, eh bien, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de déchets, c'est pas du tout kavod pour la Zara, de les avoir tous ici. Donc en fait, lorsqu'on finissait en plein Azara, donc quand on finissait, dès qu'on finissait de décortiquer toute cette partie-là, tout cet estomac, la panse, eh bien, on l'amenait d'abord faire un premier lavage dans la Lishkat HaMedichim, là-bas on vidait grossièrement tout ce qu'il y avait dedans, seulement après on le rapportait sur les shulchanot et on continuait à le laver. Et à part ça, l'ishkat ha-medichim, shamayu medichim kirveach, kodashim, là-bas, il avait les entrailles de kodashim, ou misham mesiba ola le gag bet aparva. Et de là-bas, il y avait une mesiba, le mot mesiba c'est quelque chose qui tourne, ça veut dire qu'il y avait une rampe, en fait il y avait un escalier en colimaçon, comme ça ils expliquent, qui tourne sur lui-même, et qui montait jusqu'au toit du bet aparva. Dans du Metabarva, c'était juste à côté. Et donc, pour pouvoir monter sur le toit, il fallait bien qu'il y ait une rampe. Ça passait un escalier interne. Et on passait justement par la Lishkat à Medichim pour aller au-dessus,
puisqu'au-dessus du Beth Aparva, il y avait le Mikvé lui-même. On ne pouvait pas monter et arriver dans le Mikvé, vous comprenez bien. Donc il fallait se mettre à côté, comme ça on monte et on y arrive. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.